Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble un plan qui envoie du steak, comme on dit. Un plan qui sonne grave et en plus un plan utile. Utile parce qu'il va nous permettre de développer la rapidité de notre pied à la grosse caisse et développer la rapidité de cette fameuse main faible, cette satanée main faible qui est en général la main gauche pour les droitiers ou la main droite pour les gauchers. Je pense qu'on a tous le même problème. En plus de sonner et d'être utile, c'est un plan très très court. Il ne dure que un temps, en sextolet, juste 6 notes à retenir. Je pense que ça devrait le faire. Et je crois qu'on a tous connu un moment où on avait un exercice à travailler, je dis n'importe quoi, hein, l'exercice 4 page 37, où on sait qu'on doit le travailler, tout le monde nous dit tu dois le bosser si tu veux progresser, d'ailleurs tout le monde l'a bossé, et il faut le bosser. Donc on le bosse, on le bosse, on le bosse, on le bosse, mais le problème c'est qu'on ne voit pas tout de suite le lien direct entre l'exercice et notre jeu. Moi par exemple, je ne me voyais pas placer cet exercice 4 page 37 dans un morceau en plein milieu d'un concert. Ça sert à rien. Là, ce que je vous propose, c'est un plan exercice concret. Je répète, il ne fait que un temps. Donc, à vous de le faire tourner le temps que vous voulez, de l'arranger à votre sauce. Vous pouvez très bien l'utiliser comme un break dans un morceau ou une grosse partie sur les tomes pour simuler une double grosse caisse dans un solo. Si vous voulez triper sur la batterie, vous en faites vraiment ce que vous voulez. C'est cadeau, je vous le donne. Bon, assez de blabla, je vous le fais voir. Attention, ça va être rapide. Ça va faire droite, gauche, gauche, droite, pied, pied. Je le répète au cas où. Droite, gauche, gauche, droite, pied, pied. Et forcément, on inverse les doigtés si vous êtes gaucher. Allez, je vous fais voir tout ça. C'est bon, vous avez compris? On accélère un peu. On accélère. On accélère franchement. Sympa, non? Allez, comme d'habitude, commencez à travailler doucement, bossez bien et surtout prenez du plaisir. À bientôt!